C'est un beau territoire? C'est écœurant. On a hâte de se lancer demain à l'aventure des gros bocs chevreuils de M. Labonté. C'est en compagnie de M. Pierre Labonté, propriétaire de la pauvrerie Rivière-la-Lièvre. Et puis M. Labonté, il gère 9 zones dans la réserve faunique. 7 zones dans la réserve faunique de Fatineau-Lebel. Fait que, puis il gère aussi la moitié de la réserve, le sud, pour la chasse à l'ours. Puis qu'est-ce qu'il y a de bien ici avec la pauvrerie Rivière-la-Lièvre, c'est quand tu arrives, tu as déjà 4 sites de près dans ta zone qui sont pré-apportés 2-3 semaines avant que tu arrives, comme si la bonté s'occupe d'apporter pour les clients. Voilà. Puis les stands sont faits. Oui. Fait que quand tu arrives ici, là, t'es en voiture, tu pars pas dans l'inconnu, tu as déjà des sites apportés qui fonctionnent. Oui. Il y a des caméras de surveillance, ils nous montrent les bocs qu'il y a sur place. Oui. C'est réellement merveilleux. Pour le coup que ça coûte, là, c'est... Vous avez réellement un beau produit à offrir, M. Labonté. Merci. En tout cas, M. Labonté nous a dit qu'on a des beaux bocs un peu partout, là, sur notre territoire. On a bien hâte de voir demain, c'est dit la vérité, mais c'est une courte démentie. Ben, j'ai des photos sans caméra. Vous avez des photos à l'appui. Oui, des photos à l'appui. Et les camps sont excellents, des beaux camps, c'est propre, c'est chic. En tout cas, réellement une belle place. On a bien hâte, M. Labonté, d'aller s'asseoir sur nos stands demain pour voir ça. Ouais. Merci puis beaucoup. Là, tu tiens une belle carte que tu regardes depuis tantôt. Ils sont où les gros bocs, M. Labonté? Ils sont titres là. Hey! Ils là. Il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout? Oui, il y en a un peu partout. Il y en a tellement. Ça, c'est notre zone pour la zone numéro 7, oui. Voilà. Ouais. Ils sont pas loin des grosses épinettes, mais on n'en dit pas plus. On va vous montrer ça tout au long de la semaine. Les scènes qu'on va filmer, parce qu'on a toutes chacun une caméra. Sylvain en a une, j'en ai une, Caro en a une, puis André en a une. On est quatre. On est chanceux, on a Sylvain avec nous cette semaine. Oui, c'est ça. Sylvain, il n'a pas l'expédition. Il va nous en faire tuer une douzaine. On va essayer de travailler le territoire. Ben oui, pourquoi pas? C'est bon, on s'en revient plus tard. Ouais. Fait que qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? On est en train de regarder les photos de caméras de surveillance du site, ce qu'on va chasser demain. Puis il y a du stock pas mal. Ah oui? Ah oui, il y a du stock. Il y a 4-5 mâles différents qu'on voit, mais ils sont tous de nuit. On a quelques-uns de jour, un 6, 2-6. Là, il y en a un beau, regarde. Un 9 points. Oh! Il est beau, là. Il y en a beau aussi. Ouais. Position du cheval de course. C'est là que tu commences demain? Ouais. Il demanda de le récolter parce qu'André, il faut qu'il se fasse poser comme un gros bac. J'ai signé à l'avalanche. C'est pas sûr. De toute façon, on va mettre des critères. Les gâchettes faciles, là. Il n'y a pas de John Wayne, moi. C'est la danse de John Wayne. Ça joue de la musique, ce monsieur-là. Y a-t-il un autre beau ou c'est le même? C'est le même, là, vraiment. Ah. Il est là. Oh! Non, c'est pas le même, ça. Ça ressemble à un autre. Un 6, peut-être 7. Regarde, les 7 devraient y en avoir 2. Oui. D'après moi, c'est un 8. C'est le petit 8 roulé de tantôt, ça. Ouais, c'est un petit 8 roulé. Oh, là, on le voit. Là, on le verrait bien, c'est quoi, là. C'est ça, c'est un 8. Il y a 4 barres là-dessus. 7. Bon, là, d'après moi, c'est un 7. C'est un 7 points. Sauf que je ne vais pas le voir demain. C'est un droit à 4. Ouais. Sans bruit. Il est mon papier, là. Il est mon papier. Parce que ce que tu n'as pas expliqué. Il est où mon papier, je ne sais plus, là. Ouais, qu'est-ce qui arrive, c'est que si, ce qui est le fun dans la réserve Papineau-Lebel, c'est qu'ils ont un party license. C'est qu'on signe un papier avant de commencer. Chaque personne a le droit de chasser tant aussi longtemps que le quota n'est pas atteint de 4 chevreuils pour 4 chasseurs. Il faut que les membres soient en accord avec ça. À ce soir, après souper, on se parle, on se fait comme nos règles internes, qu'est-ce qu'on désire. Mais tout le monde y approuvait ça, on va vivre avec ça. Fait qu'il y en a un qui peut en tuer deux, puis l'autre un, puis l'autre jusqu'à concurrence de 4.
C'est pas un gros. On n'a pas le choix. Ça fait 5 jours qu'on chasse. Ça bouge pas. C'est incroyable, ça bouge pas, les chevreuils. Ben, ça bouge pas. C'est faux de dire ça. Il y en a beaucoup. Ils sont tous de nuit. On n'est pas hâte de voir un chevreuil de jour. Tout ce que j'ai vu à date, c'est 2-4 points que j'ai laissé passer. Puis là, le matin, celui-là qui est arrivé. C'est pas un monstre aussi. C'est un 5-6 points. On ne voyait pas bien que la neige est mon télescope, là, mais c'est notre avant-dernière journée. Il nous reste juste demain matin. Ça fait que j'ai pas le choix. Je l'ai pris. Puis ce qu'il y a de le fun ici, à la Powery Rivière-la-Lièvre, c'est que même comme là, j'ai tué un bock, c'est pas un monstre, c'est quand même un beau bock, mais je peux continuer à chasser. Parce qu'il y a le parti licence, il y a le permis de groupe. Fait qu'on signe un papier des 4 chasseurs ensemble, puis on peut continuer à chasser jusqu'à temps que les 4 chevreuils soient abattus. Fait que si je voudrais, là, je pourrais abattre les 4 chevreuils de notre groupe, si notre groupe est en accord avec ça. Fait que ce matin, on avait dit, vu que c'est l'avant-dernière journée, le premier qui envoie un, même on avait un permis de femelle, si on voyait une femelle, ce matin, on la tirait. Et puis là, ce petit bouc-là qui est arrivé, fait que il a pas été chanceux. Il a tombé direct là comme une poche. J'ai tiré ça avec la nouvelle carabine de Winchester XPR, modèle 2015, qui va être en. qui va sortir l'année prochaine. Je l'ai pour l'expérimenter. J'ai tué mon ornial avec de 51 pouces la semaine passée. Puis là, je viens de tuer un chevreuil avec. Une belle petite carabine synthétique à verrou, très très léger, puis précis aussi. C'est une carabine que j'aime pour le cyclage des balles. Là. Sur mon ornial, j'ai tiré 4 coups très, très rapidement. Là. Le cyclage des balles avec le verrou, là, elle va très, très bien. Ça fait que c'est d'un premier. Ça fait qu'il nous reste encore une chance pour après-midi, puis demain, d'en tuer un autre. Ça fait qu'on va aller voir ça, ce qui a de l'air. Yes. Powery, rivière La Lièvre. Elles viennent descendre de mon arbre. Fait qu'on va aller voir ça, ce monstre-là. Ce matin, on s'est élevé, on a une belle petite neige blanche. Je me disais, ça va bouger sûrement aujourd'hui, que la petite neige-là, ça va y faire bouger. Puis c'est direct ce qui est arrivé. Carottes sont ici. Voyez-vous, il est mort direct là. Il est mort qu'une carotte dans la bouche. Il est mort qu'une carotte dans la bouche. D'après moi, c'est le bord qu'André a manqué hier. Pas nécessairement manqué, mais il est venu à 50 pieds, c'est lui. Tiens. Il est venu à 50 pieds d'André hier. Puis il a pas l'air de le tirer. À 50 pieds. André s'est fait pogner culotte à terre. Il avait pas son arme avec lui. Il était à côté sur un arbre. Puis il a bien agi. Il s'en allait aux pommes. Il l'a laissé passer. Puis il s'est dit. Il s'est dit, moi, le tirer, mais qu'il allait aux pommes. Il l'a senti, puis il est parti à la course, il n'a pas eu le temps de tirer. Ouais, puis c'est lui qu'on visait. On s'est dit, on va le revoir. Lui, on le voyait de. C'est à peu près le seul qu'on voyait de jour où j'ai les caméras. Fait que là, il est mort. Il y a 3 pointes sur un bord. Puis il y a une grande pine sur l'autre bord, avec une petite pine derrière, regardez. Assez spécial comme bouc. Ouais. Assez spécial. Il est mort de la carotte dans la bouche. Elle est tombée, pas à peu près. Ben content.